Alors, mon général Kasonga Richard, vous êtes ici. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? D'abord, nous saluons la spontanéité et le caractère sympathique de toutes les délégations qui ont accepté de répondre immédiatement à l'invitation qui leur a été lancée par la République démocratique du Congo, avec le faux amen de la République démocratique du Congo. C'est l'invitation aux pays de la sous-région ainsi qu'à certains organismes pour réfléchir ensemble sur la sécurité collective dans la sous-région et de quelle manière y est trouvé de remède. Et les travaux se sont bien déroulés et dans les prochains jours, nous allons continuer les travaux. Voilà ce que vous devez savoir. Merci. Quelle délégation? Vous avez parlé des délégations. Oui, nous avons reçu une délégation venant du Burundi, de l'Ouganda, du Rwanda, mais également l'Africom et la MONUSCO. En ce moment précis, les forces armées de la République démocratique du Congo lancent un message. Un message pressant à tous les groupes armés. Qu'ils entendent la voix de la raison, qu'ils déposent les armes, qu'ils se rendent aux forces armées de la République démocratique du Congo. Parce que s'ils ne le font pas, il sera très tard, ils y seront contraints. Encore une fois, tous les groupes armés ont l'obligation citoyenne. Et s'ils ne sont pas congolais, les autres aussi ont l'obligation de déposer les armes et de se rendre. Parce que s'ils ne le font pas, ils seront contraints par les forces régulières. De la sous-région. Je sais. Job, c'est du fag, nan. Ah bah ça va. Chercher un poyo. Oui, je peux le faire. Oui, je cherche le dernier. C'est quoi ici?